Bonjour, bienvenue sur le podcast des essais de Béné. Béné, c'est moi, bonjour. Donc, alias Lazy Béné sur Ravelry, Instagram, et je ne sais plus où encore. Enfin bon, bref, voilà. Donc, bienvenue, re-bienvenue. Merci de me suivre pour celles qui reviennent. Aujourd'hui, changement de décor parce que j'ai deux petits chatons qui me squattent mon siège de bureau. Donc, comme elles sont un petit peu nouvelles et qu'elles commencent à s'habituer à la maison, du coup, je leur laisse ma place, mais elles se feront virer bientôt. Donc voilà, excusez-moi, ça veut dire c'est l'heure d'aller chercher les gamins. On verra plus tard, j'enregistre et ensuite on verra. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de coculis, fini, porté, lavé, débouloché, parce que oui, la laine à boulocher, c'était affreux. Mais bon, il est magnifique. Voilà, je vous parle aussi de, je retrouve mes affaires, qu'est-ce que j'ai le droit de vous dire, de vous parler de mon ensemble à Emma, de Mélina, le petit panda, coculé aussi, et ce sera un spécial le petit panda, parce que le troisième truc, ce sera les chaussettes Nereis. Voilà, le reste, j'ai pas le droit de vous en parler, j'ai pas beaucoup avancé mes encours du monté pour la custom party du 1er octobre. Gaspard attend ses manches et ses coutures finales. J'ai avancé le pompou, donc en rose, pour ma puce. Et qu'est-ce que j'en suis? C'est un bottom-up, donc je commence à arriver aux emmanchures, donc il va falloir que je fasse les manches. Ça doit être un yoke d'ailleurs pour finir. Enfin bon, bref, voilà. Et j'ai fait plusieurs tests pour Mélina, encore, aka le petit panda, et j'ai pas le droit de vous en parler. Donc voilà. Je commence par quoi? Ah, je vous ai pas parlé de mon snowflake. Ce sera pour une prochaine fois. Donc, on commence donc par Nereis. Nereis, donc une paire de chaussettes du panda, donc bicolore. Moi, donc ma laine principale est noire, ma seconde laine est multicolore, d'où l'effet un peu psychédélique. Donc voilà, elle se tricote en tout up. Donc elle commence par les orteils, on monte jusqu'au talon, on fait un talon renforcé. Est-ce que ça va se voir avec la laine noire? C'est pas sûr, si ça se voit, donc vous voyez ça fait un talon un peu côtelé, donc voilà. En parlant de chaussettes du panda, il y a un cal qui commence, qui a été lancé lundi, le premier indice arrivera vendredi, donc aujourd'hui, ou demain, suivant quand on verra ce poste, bon bref. Tout up, classique, on commence par les orteils, on prête donc la chaussette en elle-même est très facile à faire, à part qu'elle se tricote en jersey en vert. Moi j'aime pas trop ça, mais bon finalement ça se fait bien. Avec ma laine ça fait un effet un peu plus psychédélique parce que vraiment pleine de couleurs, de nuances et tout. Donc une petite torsade assez simple pour... Évidemment, sur la laine noire, ça ne se voit pas. Ah, si, avec le reflet de la lumière, c'est très bien, ça se voit. Donc, bref, une torsade sur le noir. Donc, très facile à faire. Elle taille parfaitement, comme d'habitude. Merci Mélina, d'ailleurs, pour ça. Donc, ensuite, un talon renforcé, facile à faire. Joli arrondi sur le talon. Donc, avec, évidemment, la laine noire. Mais si je me mets comme ça, apparemment, c'est plutôt bon à savoir. Donc voilà, talon arrondi, renforcé, la cheville, la tresse, la torsade qui continue toujours sur la cheville et des côtes torsadées. Alors, voilà. Oh, mais c'est bien cet angle-là pour le noir. Donc voilà, et un rabat élastique. Donc, moi, ma chaussette a une tête bizarre parce que déjà, j'ai pas de bloqueur, donc voilà. Elles ont été lavées, bloquées, oui, séchées à plat. Je les ai pas encore portées parce que je les ai faites en juillet et que bon il faisait quand même 20 degrés donc les grosses chaussettes j'en avais pas besoin. En plus donc celles-là sont vraiment très chaudes parce que donc je les ai tricotées. C'est une laine qui se tricote en 3 normalement. Une laine à chaussettes qui se tricote en 3 et que j'ai tricotée avec des aiguilles 2 mm pour avoir le bon échantillon. C'est serré. Ça tient au pied, donc je les mettrai que quand il fera vraiment très froid cet hiver, je pense. Ou en chaussons, peut-être dans la maison, mais voilà. La laine, je ne vous présente pas le papier parce que c'est une laine finlandaise que je trouve au supermarché et que c'est tout écrit en finnois ou en suédois. Il n'y a même pas d'anglais. Donc voilà, donc c'est une laine à chaussettes très classique, mais qui se tricote en 3, donc un peu plus épaisse que ce que vous connaissez. Ici, on trouve beaucoup de laine à chaussettes en 3, donc en 3 mm, d'épaisseur 3 mm. Donc. Moi ça me gêne pas, j'ai pris l'habitude.
Donc c'est une laine à chaussettes, 75% laine, 25% polyamide. Elles sont résistantes, elles passent en machine. Les couleurs, bah, donc voilà. Donc une noire toute bête et une multicolore. Pour un effet assez psychédélique pour mes chaussettes. Mais bon, du coup, c'est bien, ça met plein de couleurs. La deuxième, donc évidemment, similaire. Ça taille parfaitement. Elles sont symétriques, du coup, vous avez donc les torsades qui se mettent bah, où vous voulez. Moi, je les mets sur l'extérieur du pied. La torsade commence au milieu du pied, normalement. Donc voilà, le peloton comme ça. Et elle part sur le côté pour finir sur la cheville et ensuite tout droit ou en colimaçon si vous préférez commenter en plus en longueur. Donc c'est un patron qui sort ce mois-ci, je ne sais pas quand, je suppose à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Pour plus de questions, pour plus de réponses, allez embêter Mélina. Mélina, bonjour, je sais que tu vas pas avoir le temps, donc s'il y a besoin, je ferai relais, c'est pas un souci. Donc voilà, bientôt vous pourrez les avoir. Elles sont super à faire, vrai comme c'est, donc bon, c'est du jersey en verre, d'accord, c'est chiant, je suis d'accord. On est beaucoup à penser ça, mais elles sont bien, il y a la torsade pour changer. Pour être honnête, si vous voulez les faire en jersey en bois, elles passeront aussi bien parce que c'est sympa. C'est pour avoir une idée, ça, au niveau des couleurs, ça donne ça. Et vous connaissez les petits V du jersey en droit, hein, après tout, voilà, c'est facile. Donc voilà, donc je les adore. Elles sont très bien aussi pour pouvoir finir des restes de laine si vous en avez. Voilà. Donc voilà, allez-y, foncez dès qu'elles sortent parce que c'est super. Foncez aussi sur le cale chaussette de Mélina qui sort cette semaine parce que ça va vous plaire. Et honnêtement, elle fait vraiment des chaussettes qui taillent parfaitement bien. Là, il y aura peut-être un petit peu moins de taille parce que c'est un cale gratuit. Donc voilà, si vous avez peur de faire des chaussettes, peur de vous lancer ou quoi, allez-y. On sera toutes celles qui ont l'habitude de faire des chaussettes ou de travailler avec Mélina. Enfin, travailler. Faire les tests de Mélina. Oui, travailler finalement. On sera là pour aider aussi, il n'y a aucun souci. Moi, c'est pas ma première paire de chaussettes que je fais avec elle. Et honnêtement, les motifs sont sympas. Les chaussettes taillent vraiment parfaitement correctement. J'ai vraiment du mal à passer à d'autres modèles de chaussettes qui ne sont pas d'elle. Bon, j'en fais aussi, hein, parce que bon, voilà, il y a enchaîné et puis elles sont belles. Mais allez-y, foncez, vous ne regretterez pas et vous apprendrez plein de choses. Alors, la suite. La suite, donc, je vais vous parler de AMA tout de suite. Donc, c'est un ensemble accessoire. Bonnet plus mitaine, que vous pouvez transformer en moufle, c'est sympa. Ah, zut, ma laine bouloche, j'ai oublié d'enlever les bouloches, tant pis. Donc, je vais vous passer le bonnet pour vous le montrer. Oui, je sais, ça va jurer avec mon pull, mais tant pis. Donc voilà, parfaitement adapté. Un petit peu grand pour moi parce que les tailles pour la tête vont par 2 cm, si je me souviens bien. J'ai un tour de tête de 57, j'ai pris la taille 58-59 ou quelque chose comme ça. Et bah c'est trop grand. Moi j'aime bien être un peu serré pour mon bonnet et c'est un peu large, mais bon, je taille parfaitement, je m'y suis habituée, c'est très bien. Donc c'est un point de riz, si je me souviens bien, des côtés assez élastiques qui tiennent bien, 4-2. Un point de riz, un joli motif, un petit un long licord de neuneu pour se faire plaisir et pour faire un peu girly, que vous pouvez mettre comme vous voulez. C'est facile à faire, vraiment ça va très vite à faire, genre une ou deux soirées, suivant votre tête, suivant votre façon de tricoter. Donc ça c'est une laine de Knitting in France que j'ai achetée donc sur Etsy et j'adore. Donc ça, j'ai donc les mitaines qui vont avec. Tadam, avec pareil, rappel du motif sur le poignet. Moi mes mitaines sont un tout petit peu différentes du modèle avec l'autorisation de Mélina parce que je ne sais plus pourquoi je les ai faites un peu différentes. Oui, je trouvais que ces augmentations n'allaient pas et je déteste faire le pouce en jersey en verre comme c'était dans le modèle, si je me souviens bien. Le modèle, donc c'est AMA, donc par Mélina, le type panda. Donc moi, j'ai repris le point de riz sur le pouce et j'ai fait mes augmentations. Au lieu de les faire tout le long du pouce, du gusset, je les ai faites au milieu directement. Donc voilà. Donc ça se fait vite, ma laine bouloche est absolument affreux. Donc pour les mitaines, j'ai repris un reste de laine que j'avais déjà depuis quelques temps, depuis Noël dernier en fait, Noël 2014, où j'avais fait le joli châle marine de Isolde la Tigue.
Donc voilà, encore un bleu, évidemment, parce que j'aime le bleu. Oui, donc là, on voit effectivement le changement de pelote. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, donc comme ça, je suis tout assorti. J'ai une laine un tout petit peu différente aussi, donc de Knitting France. Donc ça, c'était un kit qu'elle proposait l'année dernière. Donc elle, la laine, c'était du 100% mérino. Comme je tricote un peu plus serré, du coup, j'ai pas fait attention pour les. J'ai pris les mêmes aiguilles qui étaient recommandées pour le châle, et donc il m'a resté un gros surplus de laine, assez pour faire le bonnet, par exemple. Mais du coup, j'ai pris une autre laine pour le bonnet, c'est pas un problème. C'est aussi une 100% mérino, mais un tout petit peu différente. Bon, déjà, la teinture est pas la même, on voit bien la différence de bleu. J'ai malheureusement encore eu une grosse différence de bleu, j'ai pas fait attention dans mes écheveaux, donc on voit la séparation pour le bonnet, mais finalement, une fois porté, ça se voit pas trop, c'est pas gênant. Donc ça se tricote en aiguille. Je ne sais plus, 3 je suppose, 3, 2,5, 3, quelque chose comme ça. Ça va très très vite à faire. La laine c'est éteinte à la main, très douce, qui passe en machine parce que c'est du super wash, ça c'est super. Donc là pour les mitaines, on voit que ça a un peu bouloché, alors que sur le châle pas du tout, et pourtant je l'ai porté et reporté, et je le porte encore. Et ah, s'il y a quelques petites bouloches, mais bon, pas. Rien de spécial par rapport à tous les frottements. Donc ça fait une petite cholette, c'est sympa. Donc le bonnet est chaud, vous pouvez le faire. Donc moi j'ai fait un effet slouchy, vous pouvez très bien ne pas avoir l'effet slouch. Pour le nœud, bah, vous le portez où vous voulez, hein, sur le côté, mais sur l'un avec un effet slouch, ça fait vraiment très. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc voilà, devant ça fait encore plus ridicule. Donc moi j'aime bien le mettre derrière. Donc la particularité dans mon nœud, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit fil gris. C'est un fil réflecteur, réfléchissant la qui réfléchit la lumière en fait. Je ne sais pas, donc dans des autres pays nordiques ou le Canada, enfin des pays avec des hivers très longs et très sombres, si vous avez ça. Nous en Finlande, les réflecteurs c'est obligatoire, donc c'est en général des petits morceaux de plastique ou de tissu réfléchissant comme ça, qu'on accroche sur nos manteaux, nos bonnets, nos gants, nos sacs, pour que ça brille, tout simplement, pour que ça bah, reflète la lumière des phares et être vu par les voitures. Ça aide pas à voir parce que ça n'éclaire pas, hein, évidemment, ça fait vraiment bah, comme les réflecteurs qu'il y a sur les vélos, tout simplement, en fait, c'est la même chose, sauf que bah, c'est plus portable. Donc il y a des trucs vraiment adorablement mignons, comme des petites peluches pour les enfants, ou des petits personnages ou des flocons de neige tout simple ou une lettre toute simple ou des bêtes trucs réfléchissants en fait donc voilà donc j'ai refait dans le nœud plus que j'ai fait plus petit et plus discret pour la mitaine donc voilà on voit le fil gris peut-être un petit peu mieux donc oui je sais la concordance des couleurs c'est absolument pas ça mais c'était pas le but de toute façon donc voilà c'est le fil gris qui dépasse et ça réfléchit bien et je viens de trouver un magasin qui vend en fait du tissu réfléchissant comme ça. Bon, c'est pas donné, mais bon, ça peut être pas mal du coup pour mettre sur des pièces de bonnet ou quoi, ou si je m'arrive à me remettre à la couture ou faire des sacs ou je ne sais pas quoi. Mais je trouvais ça donc très très pratique. Dernier point maintenant, je me dépêche. Ah, Emma m'a décoiffée. Bon, c'est pas grave. Oups, là, pas taper dans la chaise. Oui, je sais, je suis assise par terre, j'aime bien ça. Et puis comme ça, on ne voit pas l'affreux double menton du fait du petit surpoids que j'ai. Bref, parlons peu, parlons bien, parlons vite. Celui-là, vous le connaissez, Coculi, que je crois, si je me souviens bien, je portais dans mon dernier épisode. Donc voilà, il est magnifique. Il est parfait, ou presque. Donc il taille très bien. Il a ses. Ah, alors, on va commencer. Les détails du patron. C'est un raglan. Top down, donc qui se fait aux épaules en aller-retour puisque c'est un gilet, donc on fait les épaules, le gilet, on s'arrête sous les emmanchures, on sépare les manches, on fait tout droit jusqu'en bas. Voilà, c'est la description du top down, vous commencez à connaître, je suppose. Le raglan, c'est pareil, c'est donc quatre augmentations pour les emmanchures et voilà, c'est tout, enfin c'est tout simple. Voilà, donc c'est assez rapide à faire pour le raglan, c'est un raglan classique, tout simple. Donc voilà la particularité du gilet, vous avez vu, c'est plein de rayures qui vont toutes de travers. Donc qui dit rayure de travers dit rang raccourci. Donc voilà, c'est le super truc de ce gilet, c'est que comme
comme ce sont des rangs raccourcis sur la grande longueur du gilet, et ben ça va super vite à faire parce que c'est que des rangs très courts. Et puis comme il y a des rayures et autres, du coup c'est « Oh, une rayure de plus, une rayure de plus, non, encore une, je finis ma couleur, comme ça j'ai fini mon étape et tout. » Et donc ça va très très vite, c'est addictif et tout, voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc Donc les manches, que vous pouvez faire rayer ou pas. Moi je me suis amusée à les faire rayer parce que j'avais de la laine et que je me suis amusée, voilà. Oh, j'ai pas fini de rentrer les fils, oups. Donc voilà, donc je crois que j'ai presque réussi à faire des croisements de fils assez discrets derrière. Donc il faut peut-être rechanger ou quoi, ou peut-être parce que comme j'ai pas fini d'attacher mes fils à l'intérieur, bah, j'ai peut-être pas non plus fini, ça se voit peut-être un petit peu. Finition made by Lucky Panda, la jolie corde à la fin qui fait tout le tour du pull, donc qui commence en bas et qui se finit sur l'autre côté en faisant tout le tour de l'encolure. Voilà, pour les rangs raccourcis, donc quatre parties, les rayures, du plein, notre rayure, d'autres pleins, donc voilà. En bas, une autre série de rangs raccourcis, en plein milieu, on voit donc au-dessus de mon nez, justement, que le gilet est un peu arrondi, donc ça permet de finir l'arrondi du pull de façon très jolie et surtout de... De façon esthétique pour éviter d'avoir justement un pull qui se finit comme ça à cause des triangles de rangs raccourcis. Donc ça permet justement d'éviter cet effet triangle à l'envers et donc de finir sur un bel arrondi de gilet, très féminin du coup. L'encolure est très large, donc du coup peut-être un petit peu plus large que ça, enfin non aussi large que ça, mais comme c'est un col en V, du coup ça tombe un peu plus bas, ça se tient bien. C'est peut-être un petit peu large pour ma version moi, mais celle que vous aurez, que vous trouverez bientôt à acheter, elle sera moins large. Du coup, ça fait très bien sur des cols de chemise, donc je ne les serrerai pas ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les finitions, ce ne sont pas des côtes, c'est du point mousse, tout bête, donc facile, c'est donc très rapide. Plein de boutons. J'ai encore raté l'attachage de mes boutons. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Donc, est-ce que je vais pouvoir réussir à vous montrer? Je voulais des petits boutons très discrets. Ma caméra, où es-tu? Donc, très discret pour pouvoir mettre sur cette couleur. Donc, voilà, ça brille un petit peu, d'accord. Mais bon, voilà. Donc, voilà, très discret qui ressort, donne une toute petite touche de brillance en dire. Fais pas attention au fil, hein, parce qu'il faut que je les remette. Donc voilà, vous voyez, très discret, un tout petit peu assorti, ils sont un petit peu verts comme le vert de mes rayures. Donc voilà, donc la laine, c'est une laine de Knitting in France aussi, achetée sur Etsy. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mes petits papiers, mais c'est des papiers écrits à la main, donc vous ne verrez pas grand-chose de toute façon. Enfin, ça ne vous apportera rien d'autre. C'est donc du Merino Superwash. 80%, 10% de cachemire et 10% de nylon pour que ça se tienne. C'est très doux. C'est très 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 doux. Le passage en machine, j'ai pas encore testé. Le seul hic, c'est que ça bouloche. J'ai pas encore fini d'enlever les bouloches à l'intérieur. Donc partout où il y a des frottements, ça m'a fait ça. À l'intérieur, à l'extérieur du pull. Et encore là, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que dans les emmanchures, je vais peut-être pouvoir vous montrer. Voilà, ça fait ça. Ça m'a fait un peu ça sur l'extérieur. J'ai trouvé ça vraiment très dommage. Mais bon, il paraît qu'il y a des laines qui font ça. Je pense que là, ça doit être dû au cachemire. Parce que j'ai jamais vu un mérino me faire ça. J'espère que j'aurai pas besoin de faire 36 passages. Mais bon, enfin de trouver un petit rasoir à laine à côté de chez moi. Donc j'étais très contente. Aussitôt acheté, aussitôt testé. Et le pull a retrouvé une deuxième vie. Parce que je n'osais plus le mettre tellement j'avais des bouloches. Donc là, voilà. Il m'a laissé du coup plein de bouloches aussi sur mes vêtements, enfin sur une petite jupe noire. Donc bah tant pis, j'espère que je vais pouvoir les virer de ma jupe parce que c'est dommage quoi. Donc voilà. Donc la laine en elle-même, elle est vraiment très douce, très agréable à tricoter. Il me reste quelque chose comme en tout 400 mètres de laine, 400-500 mètres de laine. Donc j'essaierai de me faire un col ou un petit truc qui va avec parce que ce serait dommage de la laisser dans le placard, elle est belle. Donc c'est un très joli gris avec plein de nuances de gris. Le vert c'est pareil, donc comme c'est teinté à la main, les couleurs sont pas pleines et plein de nuances. Donc il m'a fallu un écheveau pour de vert complètement.
Non, parce que en fait, comme je suis assez large au niveau des hanches et que je suis grande, en fait, il a fallu que j'utilise mon deuxième écheveau de verre pour faire le dernier rang de ma dernière rayure sur chaque manche. Donc vraiment, il m'a fallu trois fois rien de mon deuxième écheveau. Et donc, si ça se trouve, en détricotant l'échantillon, j'aurais pu ne pas toucher à mon deuxième écheveau, mais bon, j'avais de la laine. Et comme ça, je garde mon échantillon. Je sais pas, il me servira par me faire un petit doudou pour la nuit ou quoi, je sais pas. Bref, on verra. Donc, Coculi, donc le modèle de Lucky Panda encore qui sort pareil à la fin du mois, donc j'ai le droit de vous en parler. Donc, vraiment très facile, rapide à faire. C'est plutôt sympa pour mettre avec une chemise ou quoi dessous. C'est à portée ouverte ou à portée fermée. Donc, sur un pantalon, c'est sympa. Moi, je l'ai porté aussi sur une jupe, c'est sympa aussi. Une jupe courte plissée, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Prenez une laine qui se tient bien, peut-être à cause des rangs raccourcis, parce que du coup, il a l'air court. Mais pensez que les rangs raccourcis, ça s'allonge aussi au blocage, donc n'essayez pas trop de l'allonger. J'aurais dû faire normalement donc avec la dernière bande en bas, donc sous les vertes, plus de rangs raccourcis en fait, donc d'après le patron. Mais du coup, ma laine, c'est... Enfin, d'après mon échantillon et tout, je savais que ma laine allait s'allonger, donc du coup, j'ai pas trop osé. Et finalement, j'ai bien fait parce que c'est largement assez long par rapport à ce dont j'ai besoin. J'ai quelques rayures de plus dues à mon surplus de centimètres sur les hanches, parce que j'ai quand même 20 cm de plus entre mon tour de poitrine et mon tour de hanche. Ouais, ça arrive. Et même en perdant mes quelques 10 kilos de trop, ça changera pas grand-chose, honnêtement, puisque je les avais déjà avant, c'est 15-20 cm de plus. Donc, voilà. Donc moi, je suis taillée comme ça, comme ça. Ouais. Oui, donc voilà, c'est très facile de s'habiller aussi. Que dire de plus? J'ai envie de me rouler dans ma laine parce qu'elle est très douce. Donc voilà, ce que je trouve dommage, c'est que donc Knitting in France a ouvert son magasin et a changé ses laines. Du coup, elle fait plus cette qualité-là. Si, en laine à chaussettes, mais pas en laine épaisse, puisque donc le plus se tricote en 4 mm. Et on peut voir que donc les mailles sont vraiment souple quoi, ça fait pas serré, ça fait pas ça a de la tenue, ça en fait... on va dire que ça a une tenue souple, c'est pas ça se tient quoi, tout en ne faisant pas un tricot très serré. D'ailleurs, je suis en train de le tripoter, j'ai l'impression qu'il est en train de reboulocher, ou alors c'est moi qui suis mal passée. Donc voilà, il sort bientôt, allez-y, foncez, parce que pour vos restes de laine. Si vous avez plein de petits réseaux laine, mais que vous n'avez pas envie d'un énième châle, honnêtement, il y a eu une ou deux versions avec une rayure de chaque couleur. C'est génial, c'est très joli. Enfin, c'est vraiment très très joli aussi. Donc, avoir un joli pull arc-en-ciel. Les rayures sur les manches, vous n'êtes pas obligé. C'est un peu vous qui voyez aussi. Il y a des versions manches trois quarts, elles sont magnifiques aussi. Donc voilà. Donc un joli gilet tout doux, tout chaud pour l'hiver ou le printemps. Tout dépend du printemps que vous avez chez vous, hein. Moi, je suis encore dans les pulls pour mon printemps, mais bon, voilà. Pardon. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Je ne sais plus. Je vous retrouve sûrement très prochainement, genre avant la fin du mois, parce que j'ai plein de tests de Mélina à vous montrer. Alcyone, Arachné, les chaussettes Kuma, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un autre ensemble qui s'appelle Chionné, donc ensemble accessoires. Oh, je vais en avoir plein des bonnets, des accessoires. Ouhou, super! Donc voilà. Les projets en cours ou à futur, je fais pas de liste parce que voilà, elle est plus longue que mon bras et j'ai des grands bras. Si les projets, vous les connaissez, ceux qui sont déjà en cours, parce que je les ai montés pour la custom party. Donc je vais essayer de finir Gaspard et Pompou rapidement parce que l'hiver arrive. Hein, même s'il a fait très froid pour mon dernier podcast, le dernier épisode, là ça s'est réchauffé. On est remonté jusqu'à 12, presque 15 degrés les certains après-midi. Ah, au mois de novembre, il fait 15 degrés, c'est de la folie. Et voilà, donc là il y a un peu de froid qui revient, mais ça ne va pas durer parce qu'ils annoncent de la pluie, donc il va faire chaud pour la fin de semaine, enfin chaud 10 degrés. Donc voilà. Oui, j'ai fait un test aussi pour
Lili-Neige, donc la filature de la Vallée des Saules, vous devriez le voir au salon parisien. Donc allez-y, parce que ça peut être sympa. Enfin, allez-y. Si vous avez l'occasion d'aller au salon, allez les voir, parce qu'elles ont de laine vraiment très sympa aussi. Et voilà. Je vous en parlerai de ce test sûrement au moment du salon ou juste après, parce que pour le moment, je dis rien encore. Donc voilà, j'ai pas le droit. Donc voilà, donc j'ai fait plein de tests dont j'ai pas le droit de vous parler. Donc j'ai une pile comme ça de tricots à montrer et qui attendent. Et une pile encore plus grande en cours et de trucs à faire parce que sinon je serais pas aussi tarée que j'en ai l'air. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je vous ai toujours pas parlé de mon snowflake, je crois. Si, je sais plus, il faudrait que je vérifie mes notes. Donc je vous en parlerai ou pas. Il y a des gencives, je voulais la laine de ce pull-là justement. Donc c'est la drop. Alors c'est la baby merino ou extra fine merino, enfin c'est celle qui se tricote en 4 mm. Ça se tient bien, passage en machine pour les enfants ou pour les adultes c'est pas mal. Moi mon pull passe en machine et il n'a pas à bouger. Donc voilà. J'avais fait un petit pull pour mon neveu avec la même qualité de laine. Ma soeur l'a pas mis beaucoup à mon neveu parce que c'était beaucoup trop grand. Par contre elle le passe en machine aussi. De façon... attention, bouchez-vous les oreilles si vous avez peur parce que, bon voilà, elle le passe avec sa machine de tous les jours, avec les jeans, avec les t-shirts, donc voilà. Mais pas en promo avec la ramelaine spéciale et elle me dit qu'il n'a pas bougé. Donc ça déteint très peu, voire pas du tout. Ça ne bouge pas, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est une laine que je pense que je réutiliserai parce que ça fait vraiment un tricot assez... qui tient quoi, tout simplement. Il tient, il est chaud, il est doux et voilà quoi, donc c'est plutôt sympa, notamment pour les enfants, parce que ça passe en machine et ça gratte pas. Donc ça se lave facilement, ça c'est génial. Alors après, j'irai pas le laver jusqu'à 60 degrés non plus, mais bon, voilà. On m'avait demandé aussi, à un moment, j'étais sur Ravelry, parce que ça doit être Lolo Frisette du podcast, My Podcast, pour... qui en parlait que l'alpaga ne passe pas en machine. On m'a demandé de confirmer ou quoi, je sais pas, parce que ça doit dépendre des laines. Moi j'ai un pull en alpaga qui passe en machine, c'est écrit sur l'étiquette de la laine, c'est donc le Little Spare Time que j'ai fait à mon fils, rouge, il passe en machine, il n'a pas bougé. Sur l'étiquette de la laine, c'est écrit ça passe à 30 degrés en machine. Donc je suppose que vous faites attention à l'essorage, vous ne mettez pas un 1200 tours ou un 1000 tours. Moi je le mets à 800 tours, voire je coupe l'essorage, j'ai la possibilité de faire ça, donc pas d'essorage du tout. Et du coup, j'ai pas de problème avec... Enfin, il n'a pas eu de problème, mais bon, après tout, il ne l'a pas encore porté énormément. Donc voilà, on verra à la fin de l'hiver. Mais bon, ça n'a pas bougé, et sur l'étiquette, j'accepte le lavage en machine. Donc après, chacun fait un peu comme il veut, mais... C'est un peu comme tous les tricots qui passent en machine. Vous ne mettez pas ça à 90 degrés et avec un essorage de folie. Hein. C'est... faut aussi être logique. De toute façon, la laine, oui, ça craint la chaleur, ça craint l'essorage. Donc voilà, quoi. C'est même les laines qui passent en machine, honnêtement. Mettez l'essorage le plus bas possible que vous pouvez, voire coupez-le et puis essorez à la main ou dans une serviette, comme on fait pour les mises en forme des pulls, des châles, ce sera plus simple. Si vous avez peur, ou si vous craignez ou quoi, moi c'est ce que je fais, j'ai pas de problème. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement, j'ai pas l'intention de passer 3 heures à laver un châle ou un pull, ou passer longtemps, toutes les semaines. On est une famille de 4, donc si je veux passer tous les pulls que je fais, chacun un par un à la main ou quoi, pour juste les tremper, les essorer, non, quoi, j'ai pas envie, et puis de toute façon, je suis pas quelqu'un qui aime nettoyer, faire le ménage. Donc, moi, tout ce qui peut passer en machine, ça passera en machine, et puis si ça feutre un peu, on verra si c'est acceptable, hein, sinon ça passera à un petit, Alors, bon, il y a des laines qui s'est écrit spécifiquement, vous les passez par machine, vous les passez par machine, évidemment. Celles où vous hésitez ou quoi, renseignez-vous si vous avez vraiment peur, utilisez si vous avez les cycles laine, main, cycle délicat ou quoi de vos machines, c'est le plus simple finalement par rapport à ça.
Et puis éviter les lessives à 60 et 90 degrés avec les essorages de flou qui font trembler tous les murs. Parce que bah, là, oui, vous êtes sûr de le feutrer, votre pull, quelle que soit la laine. Enfin, bon, je suis pas encore une grande connaisseuse par rapport à ça, mais la logique fait que faire attention aussi si on cherche à passer en machine. Donc, voilà, que vous aurez, oui, sûrement des pulls, des gilets ou des châles qui feutront un peu, mais peut-être de façon acceptable et d'autres pas du tout. Quoi. C'est. Bon, voilà, c'est tout. Bref, alors cette fois, il faut vraiment que je me sauve pour aller chercher mes gamins. Donc, voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, je ne sais pas. Rendez-vous sur le cal des chaussettes de Mélina, les mystéricales chaussettes. Il y a quelques anglophones, donc moi, je risque de parler en anglais sur le forum principalement. Mais bon, on peut parler en français, on peut parler en anglais, n'importe, on s'en fiche. Enfin, c'est juste une moyen de communication, donc on verra bien. Et j'ai pas mis mon blog à jour, parce que voilà, je suis même pas sûre d'être à jour sur Ravelry. Et je sais plus. Bon, bref, de toute façon, je vais être en retard, donc il faut que je file. Très bonne journée, très bonne soirée, très bon tricot, très bonne cousette, tout ça. J'ai pas encore repris ma machine à coudre, elle va vraiment finir par se fâcher. Mais bon, voilà. Et je trouve toutes les excuses possibles pour ne pas y aller. Donc maintenant, j'ai de plus en plus peur de l'utiliser. Donc il va vraiment falloir que je me mette un coup de pied aux fesses parce que voilà. Donc bref, j'arrête le blabla qui ne veut rien dire et qui est de fin parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Donc bah voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, si, sur Ravelry, j'avais ouvert un petit forum, les essais de Béné, pour poster mon podcast. Mais finalement, je me suis recoupée avec... Je pense que je posterai les mises à jour et les détails de mon podcast sur le petit forum qu'a ouvert Matrice Erindé et tenu par quatre autres podcasteuses. Je ne me souviens plus des noms, je suis désolée. Et donc voilà, je mettrai à jour là-dessus. Et alors, comment ça s'appelle leur forum? Pour l'amour du fil et des podcasts, quelque chose comme ça. C'est rien de mettre un lien, dès que j'aurai le temps de compiler l'épisode. Et puis donc. Donc voilà, très bonne journée à tous, très bonne soirée à tous, suivant qui vous êtes, enfin, bref, à tout le monde, voilà, c'est plus simple. Bon tricot, et normalement à très bientôt, parce que je vais avoir plein de choses à vous montrer. Salut !